heureux ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps qui est perturbé, couvert de très timides éclaircies, possibilité d'averse, une température extérieure qui est à 19 degrés. Cet après-midi, un temps variable avec averse, une température à 23 degrés, température de l'eau à 21, 22 degrés. La marée est en train de monter. Le plein eau sera à 11h50 avec des coefficients de 54. Ce matin, le vent est déjà présent bien onshore, plein ouest. On est dans du 4 Beaufort, hein, puisqu'il y a du 12 nœuds. 11 à 12 nœuds quasiment établis, 3 à 4 Beaufort, le plan d'eau clapotis, moutonné, la houle se présente fractionnée, une houle qui est moyenne avec 8 secondes de période, orientée ouest, multipique, sectionnée en vrac, carrément pas valable, qui nous donne un déferlement régulier à la hauteur de 1,30 m, et sur les scieries, il y a 1,50 m. C'est en vrac, c'est pas joli, ça casse au large, c'est tout plat, tout mou, tout court. Au bord, il y a plus d'épaule, mais ça ferme, c'est vraiment médiocre ce matin. Personne à l'eau, personne qui check. Évolution pour le reste de la journée. Les bouées sont à la hausse. Brest à quasiment 4 mètres et 8 secondes. Arcachon à 3 mètres 30 et 6 secondes. On attend à 9h 1 mètre 50. Tout l'ouest, 8 secondes de période. Vent d'ouest, 3-4 Beaufort. À 13h, 1 mètre 50 à 2 mètres. Ou l'ouest, 9 secondes de période. Vent d'ouest, 4 à 5 Beaufort. Et à 17h, on devra avoir 2 mètres, voire 2 mètres 30. Tout l'ouest, 9 secondes de période. Vent ouest-nord-ouest, 4 à 5 Beaufort. Des conditions ventées agitées aujourd'hui. Ça va pas être évident, à surveiller peut-être à la mi-journée, là, sur le plein haut. Oh, il y aura peut-être quelques créneaux favorables, mais quand même des conditions bien dégradées aujourd'hui. On suit l'action, on se retrouve à 8h30 pour un prochain point. À tout à l'heure, merci.